À qui vous êtes venu dire ce soir une vérité sur ce plateau? À la fille qui compte beaucoup pour moi. Et qui s'appelle? Sabrina. Sabrina. Ça fait longtemps que vous l'aimez? Ça fait 3 ans qu'on se connaît, donc depuis 3 ans. Jusqu'à maintenant, je l'ai toujours aimée. Mais là, ça va pas très bien, c'est ça, depuis quelque temps? Oui, c'est très très dur. Depuis combien de temps? 3 mois et demi, exactement. Alors comment votre histoire d'amour, qui partait plutôt sur des bonnes bases, s'est-elle dégradée au fil des mois? Explication tout de suite en images. Dans des vacances, dans des amours, Cédric, un regard à Sabrina, un simple bonjour et déjà l'envie d'un encore. Impatience des grandes rencontres, urgence des rendez-vous imprévus avec son destin. Silence, ici on tourne le roman photo d'un amour. Un an d'amour, vite vite on veut vivre ensemble. Sabrina emménage dans l'appartement de Cédric pour ne perdre aucun moment de tendresse avec l'homme qu'elle aime. Mais la vie toujours à deux a aussi ses défauts. Cédric est trop possessif avec Sabrina. Il a peur de la perdre, alors il lui vole sa liberté. Chaque sortie sans lui est une nouvelle dispute, une marque d'égoïsme. Sans raison, sur un coup de tête, Cédric quitte Sabrina. À ses amours, il va préférer pendant quelque temps ses amis. Mais Sabrina lui manque. Il fait tout pour la reconquérir, et il y réussit. Il donne un second souffle à leur histoire. Les « je t'aime » sont de retour, les promesses sont éternelles. Jusqu'au jour où Sabrina découvre que Cédric lui a menti. Elle tombe sur une lettre d'un camping où Cédric a passé quelques jours à faire la fête avec ses copains et ses frères, alors qu'il lui avait dit « je pars en vacances avec ma mère ». Sabrina se sent trahie, elle est déçue, elle lui en veut. Elle ne pardonnera pas, elle le quitte. 3 mois viennent de s'écouler sans celle qu'il aime. 3 mois pour découvrir l'étendue de sa blessure, du manque de l'autre. 3 mois comme une rature que l'on veut échanger contre quelques secondes dont il n'y a que la vérité qui compte, pour dire pardon. Comment Sabrina va-t-elle réagir? Ouais, donc ce mensonge de trop, ces vacances passées avec vos potes et où vous lui avez dit que vous étiez en vacances avec votre maman, sont des mensonges complètement gratuits. En plus, c'était pour éviter quoi? C'était pour éviter qu'elle se fâche, qu'elle vive mal? Que la première année, je devais partir absolument, on va dire, avec mes frères et mes copains. Et je disais que je partais une semaine chez ma mère. Et la première année, ça a passé. La deuxième année, ça a passé. Mais la troisième, ça a cassé. Ah. Pourquoi ces mensonges? Parce qu'elle est trop jalouse? Parce que justement, elle était, oui, jalouse. Elle voulait absolument passer des vacances avec moi. Je n'étais pas contre, au contraire. Mais je pense que j'avais besoin, ainsi que mes frères, avait besoin de moi, qu'on soit au moins une semaine ensemble en vacances. Et depuis 3 mois, elle ne veut plus vous voir à cause de ça? C'est pas qu'elle ne veut plus me voir, c'est qu'elle veut réfléchir dans son côté. Et puis, pour elle, j'étais trop étouffant aussi. J'étais trop possessif. Je ne voulais pas la laisser sortir le week-end. Moi qui travaille, je fais des horaires un peu durs, on va dire. Je ne pouvais pas me permettre de sortir avec elle. Je suis boulanger. Ouais, donc des horaires de nuit. Et... Voilà, exactement. Et vous ne vouliez pas qu'elle sorte sans vous? Ouais, à peu près. Ouais, donc d'un côté, vous lui demandez de la liberté, enfin en tout cas, vous prenez votre liberté pour aller passer des vacances avec votre famille, et de l'autre, vous l'empêchez, elle, de prendre sa liberté. Il y a de l'injustice quand même, on va dire, de ma part. Vous habitez loin l'un de l'autre? Oh non, pas du tout. 10 minutes. Que vous l'avez, il ne s'est plus rien passé depuis 3 mois? On s'est vu quand même. Mais il ne s'est rien passé? Il ne s'est rien passé. D'amoureux, quoi, je veux dire. Non, non, pas du tout. Loin de là. Disons qu'on a eu... En 3 mois, on va dire, 3 mois et demi, on s'est vu 2 fois. Ouais. Et de temps en temps, on s'est envoyé des messages et se téléphonait, c'est tout. Et qu'est-ce que vous savez de ces sentiments aujourd'hui à votre égard? Je sais pas. Je sais pas ce qu'elle ressent pour moi, quels sont ses sentiments. Je sais pas. À chaque fois, les 2 fois qu'on s'est vus, je lui ai posé la question, est-ce que tu serais capable de revenir vers moi, de recommencer à zéro, de tout oublier? Et en fait... Elle me répondait qu'elle était perdue, qu'elle ne savait pas, qu'il fallait qu'elle réfléchisse. Donc, vous n'avez pas un peu peur que de venir nous voir ce soir, c'est aussi une façon de précipiter quelque chose qu'elle ne souhaite pas, elle, précipiter? Si, justement, ça va... Si elle m'a dit qu'elle n'était pas prête, il y a à peu près peut-être 2 semaines, parce qu'il y a 2 semaines, on s'est vu pour la deuxième fois. Et il y a 2 semaines, justement, elle m'a dit qu'elle n'était pas encore prête de me voir. Donc là, au bout de 2 semaines, sur un plateau de télévision, va-t-elle changer d'avis? Je ne sais pas. Franchement, j'ai d'énormes doutes. Mais bon... Et si elle vous dit non, ce soir, si elle laisse le rideau fermé? Je reste positif. Bon. On verra. Alors, en attendant, vous avez demandé de l'inviter. Rebecca est allée lui porter l'invitation. On va donc pouvoir la découvrir. Regardez. Aujourd'hui, je suis à Montgeroux, pas très loin de Paris. Et d'ailleurs, je suis venue à pied. Non, c'est une blague, mais j'aurais presque pu le faire. Allez, suivez-moi.
Et vous me suivez ou pas? C'est par ici, hein? Ah non, c'est par là. Je dois remettre cette invitation à une jeune fille qui travaille dans les bijoux. Elle s'appelle Sabrina et il paraît qu'elle-même est un véritable petit bijou. On se dépêche, ça y est, on y est. Action! Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Vous êtes Sabrina? Oui. Permettez-moi de vous remettre cette invitation. Merci. Vous êtes très ému. Ça va aller? Ouais, c'est bon. Vous voulez un peu d'eau? Un petit quelque chose? Bon, attendez, pour l'instant, elle a sûrement dit oui et elle va sûrement être là. Je vais vous demander, ça vous fait quoi de la revoir? Mais je pense qu'il n'y a même pas besoin de vous poser la question. Ça me fait chaud au cœur, c'est... Il y a 2 semaines que vous l'avez vue quand même. Ouais, mais bon, moi je la revois, je suis ému, je suis... C'est ça l'amour? Ouais. Vous avez préparé ce que vous allez lui dire? Oui, en espérant pas bafouiller. Vous avez tout le temps que vous voulez, vous le savez. Vous êtes chez vous ici. On va vous abandonner néanmoins quelques petits instants, le temps de voir si elle a effectivement répondu à l'invitation de Rebecca et si elle se trouve en ce moment dans sa loge. Rebecca. Oui. Eh bien, vous voulez savoir si je suis toute seule dans la loge ou accompagnée? Par exemple. Par exemple. Eh bien, je suis accompagnée par Sabrina. Bonsoir. Bonsoir. Sabrina, je sais que vous avez un fort caractère, mais je sais aussi que depuis que vous êtes arrivée dans les studios, vous avez une grosse frayeur. Ouais, je suis très émotive et j'ai peur de pleurer sur le plateau. Mais vous pensez que c'est une mauvaise surprise qui vous attend? Non, pas forcément, mais on sait jamais. Vous avez envie de savoir? Ouais. Alors je vais vous demander de vous lever. D'accord. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. On est ravis de vous recevoir. Bonsoir. Bonsoir. Voici Laurent. Merci de vous. Vous connaissez l'émission? Un petit peu. Vous la regardez de temps en temps? De temps en temps. Vous pensiez pas que vous y seriez invité? J'y ai pensé. Ah ouais? Ouais. Ça, des c'est fois, bizarre, comme ça, ça, on se dit. Et alors, c'était une... vous y pensiez en espérant que ça arrive ou... Non, 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 mais en regardant, redoutant. Je me disais, je sais pas, peut-être qu'un jour. Bon, vous avez été bien accueillie par Rebecca? Très, très bien. Tout va bien? Ça va. Vous savez donc que vous êtes ici parce que quelqu'un a quelque chose d'important à vous dire. Ouais. De l'autre côté de ce rideau. Ouais. Vous avez réfléchi depuis l'invitation, vous vous êtes dit qui est-ce que ça peut être? J'ai pas eu trop le temps, mais bon, un petit peu. Un homme, une femme? Je sais pas, peut-être plus un homme. Est-ce qu'on irait voir ensemble un indice? Je veux bien. Regardez-la. Sabrina, quel est le défaut que tu supportes le moins chez les autres? La jalousie. La jalousie? Ouais. Ah ça vous énerve? On peut pas, ah ouais, non, non. Une femme jalouse, une copine jalouse, ça vous énerve? Ouais, ça et... Ouais, et le mensonge aussi. Ah. Faut pas mentir. Faut pas mentir? Ouais. Faut pas être jaloux. Faut ouais. pas être jaloux. Je dirais même, faut pas mentir d'abord. Ouais. Ouais. Mais quelquefois, quand on est... D'ailleurs, les gens qui sont très jaloux poussent les autres à mentir. Ouais, pas con. Ouais. Sabrina, est-ce que vous voulez savoir qui est de l'autre côté de ce rideau? Ah, maintenant que je suis là... Oh, mais c'est pas une obligation, hein. Moi aussi. Vous pouvez repartir, discuter le coup avec Rebecca dans la loge. Ah ouais, je peux? Ouais. Non, non, non. Non? On va regarder. Oui? Ouais. Alors, regardez à nouveau cet écran et nous allons y faire apparaître le visage de la personne qui vous a invité. C'est pas vrai. Bonjour. Bonjour, Sabrina. Ouais, bah, je m'en doutais. Ça va? Ça va. Et toi, ça va? Comme tu le vois, ça va. Ouais. À peu près. Ouais, ça a pas l'air. Tu doutais que c'était moi? Bah, un petit peu. Hein. Merci d'être venue déjà. Bah, ouais. D'avoir accepté l'invitation. Mmh.
Donc si je suis venue ce soir, Sabrina. Ouais. Tu sais, à mon avis, de quoi je vais te parler. Bah oui, parce que je pensais que c'était toi, donc. Mais je vais approfondir mes pensées et ce que j'ai sur le cœur, en fait. Vas-y. Ça fait maintenant 3 mois et demi qu'on n'est plus ensemble, à peu près. Ouais. Tu peux calculer, c'est ça, je pense. Si tu veux. Et depuis que tu m'as quitté, je suis plus moi. Mmh. Je suis pas bien dans ma peau. Je tu me manques énormément. Ouais. Je veux que tu saches que je t'ai toujours aimé. Mmh. Du début jusqu'à la fin. Ouais. Tu peux ne pas me croire, Sabrina, mais je t'ai toujours, toujours aimé. Je sais pas si tu te souviens, une fois, tu m'as chanté une chanson, un anniversaire. Souviens-toi. Ce jour-là, ouais. Tu l'as chanté avec ta cousine, Sandra. Ouais. Et elle m'est restée dans la tête. À chaque fois que je l'entends, je pense à toi. Quand je l'ai entendue, je me suis dit... Quand tu me l'as chanté, plutôt, je me suis dit... Ça m'a prouvé quelque chose. Tu étais tellement attachée à moi. Tu étais amoureuse, je le sais, je le sentais. Et moi... J'ai pas réfléchi, j'étais tellement dans ma tête, je me suis dit, t'étais tellement amoureuse, quoi que je lui fasse, elle me lâchera pas. Et j'ai été bête. J'ai fait d'énormes conneries, d'énormes bêtises. Et tu sais de quoi je parle, Sabrina? Surtout une, mm-hmm. Tu sais de quoi je parle. Mm-hmm. Et à l'heure actuelle, j'ai d'énormes regrets. J'ai mal, tu vois, j'ai mal, très mal. Et je veux que tu sois... Ma femme, plus tard, bien sûr. La mère de mes enfants. Je te veux. Tu représentes beaucoup pour moi. Je t'aime de trop. Je peux plus vivre sans toi. Tu me manques énormément. J'ai besoin de te retrouver, Sabrina. Je sais que c'est pas facile pour toi. Peut-être que c'est plus dur pour toi que pour moi, je sais pas, je pense. Je t'ai fait souffrir. J'ai d'énormes regrets, je te dis. Je m'en veux et je ferai tout en moi pour réparer les choses que j'ai cassées entre toi et moi. T'es toujours aussi éblouissante, Sabrina. Toujours aussi belle. En ce moment, je suis à l'appartement tout seul, tu sais très bien. On a vécu 3 ans ensemble, 3 ans de bonheur, 3 ans que moi je peux pas oublier. Et il y a eu beaucoup de mensonges de ma part. Si je suis venu sur le plateau pour ce soir, c'est pour te prouver à quel point je t'aime. Bah je le sais. À quel point tu me manques énormément, à quel point je suis attaché à toi. Je te veux vraiment. C'est dur pour moi, Sabrina. Quand on se voyait en 3 mois et demi, on s'est vu 2 fois, je crois. Il y a 15 jours, on s'est vu pour la dernière fois. On a pleuré tous les deux comme des enfants. Mais ça m'a fait énormément plaisir. Je me suis dit, Sabrina, t'as encore des sentiments pour moi. Je me trompe peut-être, je sais pas. Je sais même plus ce que tu ressens pour moi. Je sais même pas les sentiments que tu as pour moi. Je te demande qu'une chose. Reviens-moi. Je t'aime. Sabrina. Parce que quand on l'a vu tout à l'heure, c'est plutôt le genre costaud. Quand même. Hein? Ouais. Plutôt le genre qui est un peu viril comme ça, sûr de lui et tout. Et là. Pas tant que ça.
on vient de l'entendre pendant de longues minutes faire une magnifique déclaration, vous dire plein de choses, je m'excuse, pardonne-moi, je fais des conneries, je me suis conduit mal, fais-moi confiance de nouveau, redonne-moi une chance. Tout ça avec des larmes dans la voix et pas seulement dans la voix. Vous êtes surprise ? Vous êtes, non pas de le voir là ce soir, vous avez déjà répondu. Voilà. De le voir comme ça. Non. Non ? Non. Vous savez qu'il est très sensible et qu'il vous aime très fort. Ouais, je le sais tout ça. Je le sais parce que comme il dit, on s'est vu récemment et on en a parlé donc. Vous savez aussi qu'il regrette ses erreurs. Ouais aussi. Ouais, je le sais. Je le sais, mais je sais pas. Je lui ai déjà dit ce que je pensais de tout ça et ce que je comptais faire, donc. Sabrina, je vais vous demander, selon le principe de l'émission, de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face au rideau, derrière lequel se trouve Cédric, qui est venu ce soir vous demander une nouvelle fois pardon et puis vous dire surtout qu'il a du mal à vivre sans vous et qu'il voudrait reconstruire quelque chose avec vous sur des bases nouvelles, des bases saines, sans mensonges. Il s'engage apparemment à ne plus commettre ses erreurs. Sabrina, vous avez eu le temps de réfléchir. Est-ce que vous savez ce que vous voulez faire ? Je pense. Ouais, je pense. Alors ? Je vais pas ouvrir le rideau parce que mes sentiments sont plus les mêmes. Ou si j'ouvrais le rideau, ça serait pour l'amitié. Parce que Cédric, c'est quelqu'un de très bien. Et ayant vécu tout ça avec lui, je peux rester que très bons amis avec lui, mais il s'est passé trop de choses que je peux pas oublier et mes sentiments ont changé aussi bien envers lui qu'envers d'autres gens. Et si j'ouvrais ce rideau, ça voudrait dire que je reconstruirais à coup sûr quelque chose avec lui et j'en suis vraiment pas persuadée. Vraiment pas. Vous avez besoin de temps encore, en tout cas, pour le moins. Énormément. C'est votre liberté, bien évidemment, c'est votre droit de laisser ce rideau fermé. Je vais vous laisser repartir alors tranquillement. Merci d'avoir écouté ce que Cédric avait à vous dire. Et d'être venu. Et nous allons demander, une fois que Sabrina aura quitté le plateau, d'ouvrir le rideau. Allez, Cédric. Cédric. Merci. Il faut du temps encore. Ouais. Vous avez quel âge ? 21 ans. 21 ans. Si on vous parlait de tous les chagrins d'humour qu'on a eu quand on avait 21 ans, 20 ans plus tard, on les regarde avec le... Non mais bien sûr, j'essaye pas de penser vos plaies, je sais que c'est dur et que quand on vit un moment difficile, c'est aussi comme ça qu'on grandit, en allant chercher au fond de soi des trucs nouveaux et puis peut-être des choses que vous avez besoin d'entendre aussi, de cette jeune fille, pour reconstruire avec elle ou avec une autre quelque chose de fort, et pas sur les mêmes bases. C'est dur. On vous laisse repartir ? Ça va ? Bah, j'ai pas le choix. Bah ouais, non, vous n'avez pas le choix, mais il y a nos équipes qui sont là et qui vont vous entourer comme d'habitude. D'accord. Et puis, vous allez la revoir de toute façon. Vous avez pas dit... La preuve, elle a parlé d'amitié, etc. Elle a dit, je veux pas recommencer ce soir parce que je sais pas où j'en suis et que, voilà. Respectez peut-être aussi ce timing-là et ne la forcez pas. Si vous l'aimez aussi fort que vous le dites, et on le croit complètement, il faut effectivement aussi la respecter, respecter... son timing, comme dit Laurent, à elle. Elle a besoin manifestement encore de temps. Ok, Cédric ? J'attendrai. Merci. Bon courage.